Salut, c'est Getsen pour Hashtag Studio 3. Je suis un artiste de musique électronique, dijonnais. Getsen, c'est parce que c'est un projet hommage à mon papa que j'ai perdu plus jeune, qui s'appelait Gaëtan, donc Gaëtan et Son pour fils en anglais. Surprenante, authentique et libre. Mes tout débuts commencent par la trompette, assez jeune, dans une école avec cours de solfège et tout ça, que j'ai un peu laissé de côté pour la musique électronique, que j'ai découvert adolescent, avec le DJing et tout ça. Le cinéma, surtout spécifiquement les thrillers. Ma vie aussi au sens large, c'est-à-dire que quand je compose, souvent en fonction des boucles ou des choses qui se créent dans la musique, ça va me créer des images dans la tête, en fait, de choses que j'ai vécues ou qui s'en rapprochent. Je bosse sur des synthétiseurs et de là découle une boucle. Et où je me dis, tiens, ça c'est une idée sympa, ça va pouvoir donner quelque chose. Et de fil en aiguille, les choses se mettent en place. Et, donc c'est surtout du pianotage, soit sur des synthés, soit sur une rythmique, soit avec ma trompette. Pas sur chaque morceau, sur pas mal de morceaux, mais c'est surtout aussi un outil en live que j'aime bien utiliser, que j'aime bien triturer. C'est un outil qui est très utile pour stimuler la création, parce que je deviens vite curieux, en fait, de tester plein de choses. Parce qu'on peut faire tellement de choses en musique électronique. Les sonorités me parlent beaucoup. Il y a vraiment une histoire de sound design, un côté nos limites. C'est la vision adulte de l'enfant plus jeune et qui, en fait, a pour repère plein de choses, en fait, dans sa vie. Et l'idée du monolithe, c'était quelque chose d'étrange. Je voulais l'assimiler à cette idée de repère, quelque chose qui capte, quelque chose vers quoi on tend et quelque chose qui nous... soit qui nous rassure, mais au moins qui nous guide, quoi. Thank you.
Le côté French 79 qui m'a beaucoup beaucoup influencé. Des classiques, forcément Daft Punk, Justice, toute cette vibe de la French Touch. Il y a la scène anglaise actuelle qui est très forte avec par exemple Skrillex qui est un producteur hors pair, Overmono, enfin toute cette scène anglaise qui m'inspire beaucoup. C'est un exutoire, c'est vraiment quelque chose où je pense à rien. Je pense que c'est un état, c'est le temps est mis sur pause, quoi. C'est un beau moyen d'expression, un bel outil de rêve aussi, parce que, comme je disais, ça me procure beaucoup d'images, beaucoup de choses, ça me permet de revivre des scènes. J'essaie de ne pas être influencé de manière trop directe ou trop forte par tout ce qui se fait dans la musique actuellement ou même avant, enfin d'essayer d'être le plus authentique possible et de faire des choses qui me ressemblent au maximum. Je crois que je dirais la première partie de Jeff Mills à la vapeur parce que c'était la première fois que je jouais sur un grand plateau. C'était à la fois pas facile parce que c'était une première grosse date pour moi mais c'était à la fois très intense en émotion parce que le fait d'être entouré par tout ce monde-là et d'être dans un lieu qui est incroyable, qui est la vapeur, ouais. C'est vraiment l'émancipation face aux croyances, face aux limites qu'on peut se mettre, que ce soit dans la musique ou dans sa vie professionnelle, personnelle, sociale, tout ça. Et du coup, je voyais vraiment comme un état d'élévation au sens émancipation et liberté, quoi.